Désolé, mec. Ma famille a besoin de ces inhibiteurs. Thank you.
Si vous ne pouvez pas arriver à la tour, allez directement à l'abri le plus proche et attendez l'eau. Bonne chance. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à en trouver. Elle va s'en sortir? Oui, avec ça, c'est bon, elle va s'en sortir. Je me charge, Dahlia. Tu pourrais occuper les autres gosses pendant ce temps? C'est que... j'ai pas mal de choses à faire. Va leur parler, c'est tout. Je leur ai dit que t'étais un grand guerrier, un chevalier, un truc du genre. Vraiment? Et ta femme, elle revient quand? Ça va aller, t'inquiète. J'en ai pas pour longtemps. Les enfants! Le guerrier héroïque est revenu avec une potion magique pour Alia. Il va rester avec vous pour vous protéger pendant que je m'occupe d'Alia. Eh, attends un peu. Ce ne sera pas long. Salut, tu t'appelles comment ? Kadim. Kadim, c'est chouette comme nom. J'ai un secret. Ah ouais ? Moi aussi. C'est quoi ton secret ? Je suis agent du GRE. Et toi ? Tu pourrais me trouver des briques ? C'est pas un secret, ça. Il y en a en bas, près du sous-sol. Et Monsieur Rupert a dit qu'on ne devait pas s'approcher du sous-sol. Sous aucune condition. Mais j'ai voulu aller voir. Et j'ai entendu un bruit effrayant. Et du coup, j'ai laissé tomber les briques que j'avais avec moi. Elles sont éparpillées un peu partout. Tu pourrais les récupérer ? Ah, ça va être dur. Mais je veux bien essayer. Voilà pour toi, Kadim. Toutes tes briques. Merci. Tu vas pas en parler à Rupert, hein ? Si tu parles pas de mon secret, je dirai rien. Ton secret ? Que tu travailles pour le... quoi déjà ? Ok, motus et bouche cousue, Kadim. Mais je vais parler de ces bruits étranges à Rupert. Je les ai entendus aussi. Alia va mieux, elle se repose. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. Merci encore, Crane. Ma femme ne devrait pas tarder à arriver. Et je sais que ces gosses sont fatigants. J'imagine que tu as hâte de partir. Pas tout de suite. Mais... on n'a pas beaucoup de provisions. C'est trop de responsabilités pour une seule personne, Rupert. J'ai demandé des renforts, ils vont pas tarder. C'était pas la peine de faire ça. Jasmine et moi, on peut gérer la situation sans problème. Rupert... J'étais au sous-sol. Oh. Je vois. Je suis désolé. Ces bruits qu'on entend. Parfois, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Je pensais que ce serait fini maintenant, mais je n'ai pas pu le faire. Ma femme. Ma Jasmine. On peut pas la laisser comme ça, Rupert. Je ne pourrai jamais lever la main sur elle. Je préférerais encore qu'elle me tue. Donne-moi la clé du sous-sol.
l'abri, c'est maintenant. On se retrouve demain, tout le monde. Elle repose en paix à présent. Merci. Merci pour elle. Merci pour moi. J'espère que j'arriverai à me pardonner pour ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. Tu t'en vas ? J'ai pas le choix. Mais j'ai des amis qui arrivent pour vous aider. Ils vont pas tarder. Et si le troll les attaque ? Le troll ? Il y a un troll géant sur le parking. Il fait des tas de bruits horribles. Il nous empêche de dormir. Il va falloir que je m'en occupe alors. Un troll a rien à faire dans un parking, pas vrai ? Rien du tout. Thank you.
voilà tranquille. Crane, c'était pas le troll, ça. Quoi? Ça, c'est le troll. Évidemment. Je t'en trouve là-bas.